L'Office guinéen de publicité dispose désormais d'un bon cadre de travail. La structure est implantée dans toutes les grandes villes du pays. Grâce à sa restructuration, l'OGP améliore sa capacité de mobilisation des recettes en faveur du trésor public. Avec les redevances versées aux communes, l'Office guinéen de publicité contribue au développement des collectivités. Aujourd'hui, le gestionnaire de la publicité guinéenne est engagé dans la numérisation de ses services. Depuis longtemps, depuis 4 ans, 5 ans, l'OGP n'a jamais reversé, par exemple, un centime aux collectivités. D'ailleurs, ça a été la première mission du directeur général quand il est venu comme directeur de l'OGP. C'était d'aller envers, disons, les collectivités pour les rassurer que dorénavant, et leurs redevances seront reversées. Et en mois de décembre, les premiers chèques ont été déposés au niveau des collectivités. D'accord ? C'est très rassurant. Ce n'est pas assez. Nous allons continuer à travailler. Nous parlons de la publicité numérique maintenant, les poteaux numériques. Bientôt, nous avons même commencé le travail, va essayer d'aller chercher des redevances au niveau même des plateformes numériques. Les réformes déclenchées au département de l'information et de la communication devraient aboutir à la relance du quotidien national Oroya et la RTG Boulbiné, des médias de service public conformes.